On a ramassé les tomates. Donc là, on a une grosse carte de bœuf qui est ramassée par l'apprenti. Maintenant, on a deux autres petites tomates qui semblent petites comme ça. Il y en a une que je crois elle a un problème. Ah, celle-là, elle a trouvé dans le buisson. Tu vois, dans le buisson qui est ici. Qu'on fait pousser les tomates comme ça dans les buissons. Tu vois, c'est le bazar. Dans les ronces. Et c'est là que l'oiseau, il a mangé quand même. Et là, on a une qui a commencé à se faire manger. Si tu regardes bien. Et c'est comme ça. Donc les oiseaux, ils se posent et ils picorent, ils essayent de manger comme ça, tac, tac, tac. Et des fois, s'ils sont très forts, c'est des oiseaux très forts, et ben ils mangent une moitié de tomate et puis tu ne la récupères pas. Bon, ben, nous, on va continuer à ramasser un petit peu parce qu'il y en a partout des pâtissons, tout ça, des trucs. On regarde ce qu'on peut faire, des pâtissons comme ça. Il y a des petits pâtissons comme ça. Tu vois, partout, il y en a des choses. Tu vois qu'il y en a des haricots. Qui pose de partout, et dans la forêt. Piment. Ah, il y en a des piments aussi là, les piments. Tu vois les têtes rouges là, c'est un piment. Hein? Donc je te montre le piment. Et là, il y a une aubergine qui arrive. Tu vois la fleur violette là, comme ça là. Et ben c'est l'aubergine qui arrive. Je vais essayer de zoomer un petit peu, comme ça. Et ça va faire une aubergine. Mais je sais pas quand. Mais en tout cas, on aurait quand même des choses à manger. Là, il y en a des tout petits pieds de tomates. Je ne sais pas s'ils vont réussir à arriver à maturité. Mais en tout cas, on les a plantés quand même. Très tard, mais on les a plantés. On va voir si on va faire des tomates tardives. Allez, je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt.